Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tous en très bonne santé parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est avec consternation que je fais cette vidéo parce que selon les informations qui nous parviennent, le web humoriste Dan Massett serait décédé. Et je fais cette vidéo-là, c'est parce que j'ai envie de dire beaucoup de choses. Voilà. J'ose croire et j'ose espérer que ce soit en tout cas une vilaine rumeur, une mauvaise rumeur, une mauvaise information parce que moi je ne souhaite pas la mort de qui que ce soit, à plus forte raison, ce talentueux web humoriste Dan Marcel. Je ne ferai pas les transitions, je vais aller directement. Voilà, s'il s'avérait effectivement que ce dernier soit décédé, beaucoup d'entre vous, que ce soit les influenceurs comme leurs abonnés, vous devez comprendre ceci. Vous ne devez pas marcher avec n'importe qui. Voilà, parce que ce mal qu'il a emporté là, qu'il aurait emporté là, n'est pas un mal naturel. Parce que son état de santé a fait grand bruit depuis un moment sur les réseaux sociaux. Je ne me suis pas prononcé dessus. Et là, je me permets de prononcer dessus parce que l'information qui vient de tomber, elle n'est pas bonne. Elle est vraiment, vraiment, vraiment pas bonne. Selon les sources, c'est aujourd'hui qu'il aurait perdu la vie. Bon, comme ici, d'habitude, sur les réseaux sociaux, ils ont l'habitude de tuer les gens. Et après, il y a des démentis. Je prie qu'il y ait un démenti. Mais s'il n'y a pas de démenti, vous devez comprendre, chers abonnés, vous devez comprendre, chers confrères, que c'est pas parce que vous êtes devenu star, vous avez une petite visibilité, que vous allez vous entourer de tout et n'importe quoi. Tous ceux qui sont autour de vous ne sont pas contents de votre succès. Tous ceux qui sont autour de vous ne sont pas contents de votre petite célébrité. Voilà. Et je pense que ce problème-là, c'est juste un problème de jalousie. Parce que ce mal-là survient juste après une soirée entre amis. Et je sais que parmi ces amis-là, lors de cette soirée-là, il y avait aussi des influenceurs. Je ne dis pas que c'est forcément un influenceur qui lui a jeté ce mal-là ou qui a créé ce mal-là, mais j'ose croire que c'est forcément l'un ou l'autre. Soit un ami proche, soit un de ses confrères influenceurs. Et ça, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment, vraiment malheureux. Vous comprenez maintenant pourquoi moi, Eritor, bien que j'ai fait le beau jour au temps de la grande rivalité entre DJ Arafat et Debordeaux, et je ne me suis jamais allié à quelqu'un. Je ne me suis jamais rattaché à quelqu'un. Je ne me suis jamais rapproché d'un influenceur ou bien je n'ai pas voulu me mettre dans cette histoire de comme je suis sur les réseaux sociaux, je dois être ami, je dis n'importe quoi à Ange Freddy, je dois être ami à Truc Technique, je dois être ami à Paul Ivétien, je dois être ami à tout ce que vous voulez. Voilà. D'abord, je ne suis pas un opportuniste. C'est pas parce que j'ai une visibilité que je sais que je rentre, si je rentre dans cette sphère de showbiz là, certaines portes vont s'ouvrir. Mais franchement, c'est malheureux. Parce que mourir comme ça dans la flaque de rage, ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Et je pense pour ma part que Dan Marcel, c'était l'un des web humoristes les plus talentueux. Il était mannequin et web humoriste. Et il excellait dans ces deux domaines-là. Donc je ne peux pas concevoir qu'un gars plein de vie, un gars sans façon, qui aime beaucoup rigoler, qui aime nous faire rire, qui aime nous arracher notre bonne humeur, décède dans ces conditions-là. Voilà, j'espère et je prie qu'il y ait un démenti parce que je n'accepte pas cette nouvelle-là. C'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo-là. Pour à la limite insulter ces méchantes personnes-là, tapies dans le noir, qui jalousent leurs habits, qui jalousent leurs confrères parce que et soit il est plus chic qu'eux, soit parce qu'il a plus de visibilité qu'eux, soit parce qu'il est plus apprécié qu'eux. C'est ça le monde. C'est ça le monde du showbiz. C'est ça le monde du showbiz. Dan Marcel se portait très bien ici. Il faisait ses vidéos tranquillement, il faisait ses voyages entre Paris et Abidjan sans problème pour ses différents contrats de mannequinat. Et malheureusement, on apprend aujourd'hui qu'il est décédé. C'est la faute à qui? C'est pas de sa faute parce que c'était quelqu'un de sans façon. C'est quelqu'un qui était vraiment aimable. Et c'est malheureux qu'il décède comme ça. C'est vraiment malheureux, malheureux, malheureux. J'ai même pas les mots tellement que je suis fâché. Je sais pas s'il a dit je suis fâché contre celui qui a créé cette maladie-là qu'il a emportée. Mais franchement, c'est malheureux. C'est malheureux. Si on peut pas avoir confiance, si on peut pas se dire que je peux être célèbre, je peux commencer à avoir un petit succès sans qu'on me jalouse, c'est qu'on va, on va quitter les réseaux sociaux. Voilà. Chers abonnés, c'est ça le vrai monde. C'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Moi, je suis dans mon coin, j'ai fait mes 5 vues, j'ai fait mes 6 vues. Ça me suffit largement. Ça me suffit amplement. Parce que les millions de vues là, j'ai déjà fait. Les centaines de milliers de vues là, j'ai déjà fait. J'ai pas besoin de me coller à quelqu'un, de faire ami-ami à quelqu'un. Parce que peut-être que ma tête même ne lui plaît pas. Peut-être que ma manière de marcher même ne lui plaît pas. Peut-être que ma façon de parler même ne lui plaît pas. Nous vivons dans un monde de sorciers, dans un monde cruel, dans un monde de méchants. Dan Marcel va mourir en 2024, là. Ça y est, il n'a même pas vu 2025, là. C'est par rapport à quoi? À cause de quoi? Si ce n'est pas à cause de la méchanceté de l'homme noir, là, lui, là, il meurt par rapport à quoi? Son humour qui nous faisait rire, là. Toi, qui as créé cette maladie, qui l'a emporté, là. Tu pourras faire ça pour nous égayer. Sa famille, qui est en pleurs actuellement, là. Tu pourras les consoler. Pour lui, est fini, comme on dit. Pour lui, est fini. Toi, tu es encore en vie. Tu sais ce qui va t'arriver. Tu sais ce qui va arriver à tes proches. Tu sais ce qui va arriver même à ta descendance. C'est ce qui va arriver dans ta famille. Comment être aussi méchant? Comment être aussi méchant?
Comment? Il n'y a pas d'explication. C'est injustifiable en fait. Lui va mourir là, c'est pourquoi. C'est pourquoi je comprends son confrère. Parce qu'une ou deux fois, j'ai compris que c'était ces histoires-là. Le gars a vu ça de loin, il a dit, ah camarade, moi je vais me retirer. Parce que dans un groupe, dans un duo, on se parle. Si on ne peut pas s'entendre, si on ne peut pas regarder dans la même direction, on se laisse. On se sépare dans la paix du Seigneur. Faut savoir un truc. Hormis la famille de Dan Marcel, le plus affecté actuellement, là. J'ai oublié son nom. Son binôme là, c'est lui qui est le plus affecté. Parce qu'il a fait beaucoup de choses avec ce dernier. Il a chanté avec ce dernier. Il a fait des prestations avec ce dernier. Il a fait des tournées avec ce dernier. Et moi, j'aime sa façon de faire. Il ne se mélange pas. Il est resté dans son coin. Il priait pour son ami de loin. Aujourd'hui, le pire est arrivé. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette tragédie-là? Il faut faire confiance à n'importe qui. Je vous dis ça aujourd'hui. Surtout aux jeunes web ou nourrices qui sont sortis en 2019-2020. Ayez peur. Restez prudent. Restez prudent. Parce que c'est pas parce que tu invites quelqu'un à faire vidéo avec toi, tu as pensé qu'il est avec toi. La vie même est comme ça. Quand tu as ton ami qui est devant toi, si c'est pas parce qu'il y a Dieu dans ta vie, si c'est pas parce que tu as reçu une très bonne éducation, si c'est pas parce que tu es envieux, tu vas commencer à le jalouser. Tu vas commencer à le jalouser, oui. Et si tu commences à le jalouser, là, la sorcellerie peut rentrer dedans. Si la sorcellerie rentre dedans, tu es prêt à tout. Juste pour, on va dire, effacer ta frustration. Juste pour ne plus que tu sois frustré chaque fois que tu vas le voir en train de faire 1 million de vies en 24 heures, 100 000 vies en 24 heures. Juste pour ça. Donc fais attention. Aujourd'hui, c'est Dan Marcel. Demain, qui c'est? Ça sera qui? Qui c'est? Ici, dans mon coin, je suis à l'aise. Mes petits abonnés que j'ai ici, là, je suis à l'aise avec eux. On se voit dans la rue, photo, on papote légèrement. La vie continue. Moi, c'est pour ça que je suis beaucoup méfiant. C'est pourquoi je suis dans mon coin et c'est pour ça que je ne me mélange pas. Sinon, en Côte d'Ivoire ici, là, les stars que vous ne pouvez pas imaginer m'ont déjà contacté. Je dis bien que vous ne pouvez pas imaginer m'ont déjà contacté. À plusieurs reprises. Vous travaillez pour eux. Vous me rapprochez d'eux. Mais je suis resté toujours ferme. Je suis resté toujours digne. Je suis resté toujours dans ma position. Mes deux vies, là, ça me suffit. En tout cas, toutes mes condoléances à la famille éplorée. Toutes les condoléances aux amis de Dan Marcel. Toutes mes condoléances à tous les web humoristes parce que c'est un confrère qui vient de nous laisser. Je ne sais même pas quoi dire. Tellement il s'est fâché. C'est malheureux. Et c'est ça la vie.